Attends. Attends, attends. Ça change le programme là, du coup. Je me sens juste tout seul dans mon coin. Je rigole évidemment. Bah moi justement, on me dit l'inverse, que sur Discord, c'est écrit que sans maintenance. Bah ouais, mais c'est marqué où? Palia statue. We are going to find the time to resolve the missing progress issue. Do not have it. À downtime, en gros, c'est maintenance. Ok. Ok. Super, donc en gros, pendant que je faisais ma sieste, bon, bah, changement de programme. Va aller jouer à autre chose. Change le titre. Si t'arrives pas à lancer le jeu, c'est que ça m'entend. Bah oui, merci, j'ai compris, du coup. Oui. Est-ce que tu as utilisé ta fourchette? Hein? Est-ce que tu as utilisé ta fourchette? Normalement, non. Attendez, je remets le post-tweet. Le post-tweet, je suis désolée, j'ai du mal à parler avec tout ça là. Ok, bon bah on joue à quoi du coup? Hein? Tu manges avec les mains? Non mais comment ça? Parce que je me suis pas servi de ma fourchette. Mais non, c'est parce que on a grignoté et je me suis juste fait un mini sandwich avec un peu de Magnifico. Ça s'appelle du Magnifico. C'est de la charcuterie italienne. Du coup, j'ai pas besoin de fourchette pour manger ça. Même si. Mais je sais. Je sais. Je sais. Mais voilà. Ok. Alors, laissez-moi checker ma liste. Ma liste Steam. Sachant que je suis aussi censée faire un jeu d'horreur. Donc, je vais check. Je pourrais continuer Let's Cool. Je pourrais jouer à Hogwarts Legacy parce que j'ai pas beaucoup joué et je dois normalement pouvoir rejouer maintenant. Quoi je vais jouer? Voyons voir. Attendez, je vais checker un truc. En vrai, j'ai bien envie de retourner sur Hogwarts Legacy. Ça fait un moment que j'y ai pas joué. Est-ce que la manette, elle est branchée? Et puis l'avantage, c'est justement c'est ça, c'est que je pourrais jouer avec la manette. Du coup, ça ne m'embêtera pas trop mon bras. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'au final, j'ai pas avancé sur le jeu depuis longtemps parce que le PC il supportait pas. Enfin, le PC. C'est pas que le PC supportait pas, c'est. Donc, il est mal opti et tout ça, tout ça. J'espère juste que ça va pas crash. Va faire ça. On va aller sur Hogwarts Legacy. Hogwarts. Attendez. Hogwarts. Legacy. Alors, que le jeu il se lance. Je vais fermer Google. Hop. Alors. Mais alors du coup, j'espère que ça va pas faire laguer le stream. Attendez, je prépare la scène. Hop, voilà. Capture de jeu, on a dit. Voilà, comme ça. Parfait. Vas-y, je suis deg, j'avais pas vu. Bonjour Yushi. On va pas sur Palia parce qu'apparemment le jeu il est en maintenance. Quel jeu, Palia? Oui. Conseil en maintenance. Bah, apparemment, il est en maintenance. Pas mal, ça lag. Bah, justement, c'est la première fois que je lance Hogwarts Legacy depuis que j'ai le nouveau PC. Donc,
Il va falloir que je baisse un peu les réglages si ça lag trop. Et je pense que je vais devoir baisser les réglages. Ah! Toujours au pied avec le fion. Oui! Ça lagouille là, on est d'accord? Oui, ça lagouille, j'ai de la perte d'image. Mais là, je pense qu'il y a du foot en ultra aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que... dès que je pourrai... Est-ce que vous m'entendez au moins? Parce que, bon... dès que je pourrai, je vais baisser un peu les réglages. Ouais, un fouille. Coucou, Nagisa. Comment vas-tu? Je voulais faire du Palia, mais le jeu, il est en maintenance. Du coup, bah, changement de programme de dernière minute. C'est normal, ça lag. J'attends que le jeu démarre pour baisser un peu les réglages. C'est toujours aussi long. Ça va. J'ai enfin... Je vais enfin avoir un petit peu de repos cette semaine. Donc je garantis pas de streamer très longtemps ce soir. Car aujourd'hui j'ai eu une très grosse crise toute la journée, crise de douleur, tout ça, tout ça. Donc là je viens de me reposer donc ça va mieux, mais voilà. Je garantis pas de pouvoir streamer très tard. C'est ouf. Je vais peut-être pas mettre en extrême. Est-ce que je peux mettre comme ça? Voilà, très bien. Ça a l'air d'être mieux là, non? Là, tout de suite. On va laisser comme ça, on va voir. On va voir si ça lag pas trop. Et du coup, oui, pour information, donc Hogwarts Legacy, j'ai joué un peu quand il est sorti. Il était instreamable pour moi, parce qu'il est au pied avec le cul. Je pouvais vraiment, genre, même pas le... En fait, j'ai dit jouer sans rien à côté. Et même avec ça, je laguais. Donc ça va être la reprise. J'ai clairement oublié comment on joue. Donc on va voir. Hein. Ah, j'étais quand même niveau 29. Hein. Voilà, voilà. Injouable même. Oui, j'ai dit quoi? J'ai pas dit ça? J'ai dit quoi? Je suis vraiment désolée. Hein, les médicaments que je prends... me font pas forcément que du bien. Ah oui, oui. Même sans, voilà, oui, même sans streamer, il était... c'était compliqué. Exactement. Alors, je suppose que je me dirigeais par... pour aller là-bas. Je suppose. Ça va être le test. Je sais que j'avais relancé vite fait le jeu... sur le nouveau PC, parce qu'en fait j'ai changé de PC en début juillet, enfin fin juin, début juillet. Et ça avait l'air d'aller déjà, mais j'avais crash plusieurs fois. Et je ne savais pas pourquoi. Donc je prie pour ne pas crash. Et j'ai carrément oublié Allô, comment jouer. Hein, donc... Alors... Ok, ça j'ai pas oublié. Ce qui va être compliqué, je pense, c'est s'il y a des combats. Hop, on fouille. Je me souviens qu'il fallait ramasser tous les coffres qu'on trouve, n'est-ce pas? Ah, c'est stylé, hein, quand même, leur petit truc, là. Lunettes hexagonales à monture d'or. Ok. Ils ont rien changé par rapport au chapeau pour les femmes. Professeur Ekat, comme prévu, j'ai changé avec mes connaissances gobelines de chez Gringotts. Tous ont condamné les actes de Ranrock et certains m'ont confié en privé que ses motivations pourraient être bien différentes de ce qu'elles paraissent. D'après ce qu'on m'a dit sur le traitement qu'il réserve à ses congénères, ceux qui refusent de joindre ses fidèles, j'aurais tendance à croire que sur parole mes amis de la banque. Je vous tiendrai au courant de toute découverte. En attendant, mieux vaut rester vigilant. Avec tout mon respect. Aesop Sharp. Ok. Du coup, oui.
Bon lurk, Aki. Merci beaucoup pour ton lurk. Et bah amuse-toi bien sur ce que tu vas faire. Oh, elle est jolie la tapisserie. Oui, parce que du coup, là, cette histoire de chapeau que sur les personnages féminins, ça t'enlève tes cheveux, littéralement. C'est un petit peu bête, je trouve. Enfin, comment dire? Disons que ça donne l'impression qu'ils ont un peu eu la flemme. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors. Est-ce que... Alors, attendez, c'est quoi déjà? Non, c'est quoi? C'est... Attends, c'est quoi? C'est quelle touche? C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Ah voilà, c'est ça. Revelio. Le sort qu'on utilise tous les 5 mètres. C'est ça? Ah! Il y a une petite clé qui se balade quelque part. Ou alors c'est juste pour me dire où je dois aller. Ah! Qu'est-ce que... Oh non! Le jeu, il a crash. Le jeu, il a crash. Super! Le jeu, il a crash. Bon! Super. Bon, ce que je vais faire... Je vais faire une petite vérif des fichiers rapidement, puis on va papoter, hein, c'est pas grave. Voilà. Erreur avec le cloud, bah oui bien sûr. Erreur avec le cloud, sinon c'est pas drôle. En tout cas, c'était cool la soirée hier. Je me suis bien amusée. C'était un méga bordel, mais c'était marrant. Ça fait du bien en vrai, en fin de week-end, avant la reprise, de se défouler un petit peu comme ça, là, de bien rigoler et tout. Sans se prendre la tête. Pour ça, en vrai, les cartes le dimanche, c'est bien, je trouve. Alors, attendez, petite vérification des fichiers. C'est où déjà? Propriété. Fichier, vérification. Ouais, ok, c'est ça. Eh bien, cette musique. Bon, je vais checker si éventuellement je peux pas aller sur un autre jeu. J'aime pas changer 36 fois de catégorie comme ça, mais bon. Pas trop le choix des fois. Qu'est-ce que j'ai? Attendez. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de soirée comme ça. Bah, j'espère que ça t'a plu en tout cas. J'espère que ça t'a pas fait trop peur. Il y a des gens bizarres, tu sais. Ça, tout ça. Mais ils sont pas méchants. Ils sont bizarres, mais pas méchants. Ah, mais il y a Elden Ring aussi. Mais Elden Ring, il faut que je joue avec Salty. C'est prévu que je joue avec Salty. Bon, il y a Little Witch aussi. Ah, je l'ai pas réinstallé. Bon. Attends, c'est déjà fait la vérification des fichiers là? Tu te fous de ma gueule ou... Je crois pas. Yoshi, t'es VIP pendant ce stream. Félicitations. Attends, me dis pas que la vérif, elle est faite déjà. Ah non, ça mouline. Ça mouline. Ok. J'ai une idée. Du coup, on va encore changer de jeu. Je suis désolée, mais au moins, c'est un jeu normalement. Je touche du bois. Qui est censé fonctionner. Et en plus, vu qu'il y a eu des mises à jour, mais en soi, ma partie, elle a été reset. Du coup, bah, tant qu'à faire. Comme ça, c'est un petit jeu 3D, mais 3D qualité, qui est sympathique. C'est Little Witch in the Wood, avec mon magnifique accent. Oui, c'est encore toi. GG toi, oui. Tu es la VIP de ce stream. Félicitations. Bon, le problème, c'est qu'il faut que je les réinstalle, évidemment, puisque je n'ai pas réinstallé tous les jeux sur mon PC. Donc, en fait, je le fais au fur et à mesure que j'y pense. Ah! Il est déjà réinstallé, c'est plus rapide que la vérification de fichiers. Ok, alors du coup, est-ce qu'on va peut-être passer sur ça, finalement? Non, pas League of Legends, c'est Little Witch. Little
Witch in the Hood. On va faire ça, voilà. On va passer sur ce jeu. C'est chill, c'est tranquille. Mais oui, il est sympa. J'aime beaucoup. En plus, je suis un petit peu deg parce que j'étais avancée assez loin dedans. Et j'ai perdu toute ma progression parce que bah, le jeu, il est encore en accès anticipé aussi. Forcément. Après, bon. Voilà, c'est le risque, hein. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je devrais aller un peu plus vite. J'espère. Hop, vu que c'est la fin de la musique. Mauvais écran. Mauvais écran. C'était le mauvais écran. Pardon. Pardon. Je me suis trompée. Coucou Naï. Est-ce que ça a pris là en compte le... Voilà, c'est bon. Ok. Donc, Little Witch in the Wood sur Steam. Je sais pas s'il est sur une autre plateforme. Mais c'est un petit jeu 3D, mais très sympa, d'ailleurs. Je ne pense pas qu'il soit en français encore. Ah. Pixel Perfect, c'est quoi Pixel Perfect? Ah, ok, on va le laisser comme ça. Ensuite, au niveau du son, je pense que c'est bon. Langage. Et s'il y a du français, je ne pense pas. Non, il n'y a pas de français, il n'y a que de l'anglais. Je vais quand même essayer de vous traduire le truc. Alors, si je fais continue. Parce qu'après, j'avais repris ma partie, mais genre, j'avais pas beaucoup avancé, hein. Voilà. J'étais quasiment au début. Ça va. J'ai enfin eu. Je vais enfin avoir un peu de repos cette semaine. Voilà. Regardez si elle n'est pas trop pipou. Cette petite. Attendez, on va aller dehors, ce sera mieux. Petite sorcière là. Il est vraiment sympa. Hein. Je suis pas fan des jeux pixels, mais celui-là, il est mignon. J'aime beaucoup. Du coup, oui, je vais enfin avoir un peu de repos. Je vais baisser le son du jeu un peu. Ah. Alors, attendez. Parce que du coup, j'ai oublié de faire un réglage aussi, vu que je viens de le lancer pour la première fois. Je n'ai pas fait des réglages de son. Hop. Ensuite. C'est pas ça que je voulais faire. Non, 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 non. Voilà. Et. Je vous dis, un stream, c'est pas facile, hein. Il y a plein de trucs à penser, à faire, tout ça, machin. Voilà. Ah, c'est bon. C'est bon. Donc là, on entend le son que sur une source. Oh la vache, un jeu pixel que je connais pas se demande s'il doit remercier Hogwarts d'avoir crashé. En vrai, franchement, il est sympa, hein. Alors après, c'est pas un truc avec méga action, etc. Mais moi, j'aime bien. C'est un petit jeu d'aventure, de craft et tout. Il est sympa. Alors attendez, comment on joue déjà? C'est pas ça. Ah oui, j'ai mon petit balai, hein. Attention, hein. Comment on joue? C'est quoi les touches déjà? Cancel. B. Ok. Je peux pas ramasser le sac là? Ah, je peux plus rien utiliser. Ok. Perso, je cherche pas de l'action dans ces jeux. Je suis plus du genre à passer ça comme ça. Et bah, clairement, je pense qu'il pourrait te plaire, ce petit jeu. Le seul truc, c'est que voilà, il n'est pas en français, donc. On va aller se promener. Donc en gros, le début du jeu, c'est on est une petite sorcière. On vient d'une école de sorcières, évidemment. On se baladait dans un train pour aller dans un village. Le train s'est arrêté pendant le trajet parce qu'il y avait un problème ou je ne sais quoi. Et comme ils ont annoncé que le trajet allait être, que la pause allait être très longue, notre petite sorcière ici présente avec son ami chapeau, puisque le chapeau parle. On décidait d'aller explorer un petit peu autour du train. Et vous vous en doutez, le train est reparti sans eux. Le train est reparti sans eux. Du coup, bah, ils sont allés explorer un peu plus loin pour trouver où dormir. Alors attendez, comment... Ah oui, voilà.
comment... Ah, voilà. Voilà, je peux ramasser les trucs. et elle trouve, du coup, cette fameuse maison de sorcière, ici, qu'elle va... on va devoir, du coup, la rénover. On va devoir la rénover. On a un petit entrepôt. Et on a un petit atelier où on va pouvoir faire des potions. Donc, très sympa. Là, il y a les recettes. Et vous voyez, pour faire les potions, c'est un peu comme potion crafting ou je sais pas quoi, là. Il faut mettre les bons ingrédients, il faut mettre la bonne puissance de feu, il faut tourner dans le bon sens, etc., etc. Bon, bah là, du coup, c'est juste que je recommence depuis le début, donc... Donc, j'ai perdu pas mal de choses. Mais c'est pas grave. C'est un jeu assez chill. Et cool. Et pareil, ouais, au fur et à mesure qu'on level up, bah, je vais pouvoir gagner des emplacements dans mon entrepôt. Il y a deux coffres d'ailleurs, et celui-là, je ne sais plus, c'est pour mettre quoi. Et du coup, là, j'ai pour extraire des espèces de jus, de fleurs, de feuilles, de machin, tout ça. Ça va être pour réparer mon balai. Mon balai ici présent. Mon petit balai. Voilà, bref. Je me mets en leurre pour pas être spoil, bon stream. Y a pas de souci, Yoshi. Bon leurre qu'à toi. Je bosse en info, donc l'anglais c'est ok. Bah voilà. Bah du coup, là c'est pour sauvegarder. La base. Attends, ça a mis quoi? Oh bah ça a sauvegardé quand je suis sortie, donc c'est bon. Alors, R. Il faut que je trouve les racines, ok. Ensuite, il faut que je fasse Moon's blabla potion. Ensuite, upgrading. Ok, ah oui, donc attends, j'ai peut-être rangé une potion que je suis censée boire. Ça fait vraiment longtemps que je suis pas retournée dessus, donc j'ai oublié. On a dit je dois boire... Ok. Je dois boire la potion. Est-ce que je l'ai faite, la potion? Je l'ai peut-être même pas encore faite, la potion. Alors, attendez, comment j'accède déjà? C'est pas ça. Comment j'accède à mes recettes? Ah, non, c'est pas ça non plus. Je suis perdue, excusez-moi. Ah voilà, j'avais pas appuyé assez fort. Donc, j'ai mon bouquin de sorcière, évidemment. Avec mes petites recettes. Et il y a des nouveaux trucs qu'il n'y avait pas avant. Et non! Qu'est-ce que... Ah bah oui, parce qu'il fait nuit. Bah oui, c'est vrai. Ellie, c'est l'heure de se lever. C'est le chapeau là qui réveille la fille. Peut-être parce que je suis une sorcière. C'est le matin, arrête de dormir, arrête de parler en dormant et réveille-toi. Je suis seulement une sorcière. Quel genre de rêve est à ce point? Je sais pas ce que c'est, Obnoxious. Bref. Tu as raison. Quel genre de rêve était-ce? Bref. Donc, j'ai dit. Faut que je fasse une potion. Est-ce que j'ai la recette? Sunlight. Ah, ouais, ok. Alors, donc. Ok. Bird flower water, dried pumpkin. Ok. Normalement, je pense que j'ai de quoi faire la potion. Je vais voir ça. Oh Dieu! Ah oui, rêve odieux, merci. Alors, il me faut... ça. Et j'ai oublié ce qu'il fallait d'autre.
Bird, flower, water. Ah mais oui, mais attendez. Que j'ai pas... En fait, c'est pas bon, ça. Faut que je les sèche d'abord. Et bird, flower... Bird, flower... Ah, c'est avec ça. Ok. Ok. Avec quoi je peux faire les feuilles séchées? Je crois que c'est avec ça que je suis censée les faire, mais du coup, il me manque un truc. Bref, je vais pouvoir au moins... Ah, même pas? Ah, il m'en faut 4! Ah, vas-y, là, relou. Bon, faut que je trouve le levier. Et je ne me souviens pas du tout... Où est-ce qu'il est censé être? Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Donc je peux même pas faire la potion en fait. Bon, on va l'explorer. Attendez, est-ce que le sac là-haut, là, normalement je suis censée pouvoir le récupérer, non? Ah, est-ce qu'il faut... Bon bah à part mon nom. Coucou Inox, tu peux juste me rappeler le nom du jeu. C'est écrit sur l'écran de stream, si tu veux. C'est Little Witch in the Hood. Il est sympa. Bien moi. Alors. Ça, c'est la vendeuse. Ah, il se met pas à jour. Ah, désolé. Des fois, Twitch... Mais Twitch est cassé en ce moment. Et pourtant, je l'ai mis à jour, hein. Mais il m'a remis... non, non, mais en fait, là, j'ai revalidé. Il m'a remis Hogwarts. Chelou. Hein. Je pense que c'est juste cassé. Parce que là, il y a 2 secondes, ça s'affichait bien. Quand j'ai recliqué sur OK, ça m'a remis Hogwarts. Donc, c'est cassé. Là, normalement, c'est bon. Donc... nanana, question... qu'est-ce qu'elle a dans son dans sa boutique? Est-ce que par hasard elle a le levier? Est-ce que j'ai pas d'argent de toute façon? Donc ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce que... Alors du coup, oui. Pardon, excusez-moi, je parlais plus. Ce PNJ donc, va me vendre des objets de sorcière et aussi va me passer... Enfin, en gros, me propose des commandes. Donc, je peux accepter ou pas. Et si j'accepte, du coup, j'ai plus ou moins une journée ou même deux, je crois. J'ai 2 jours pour faire la potion et lui donner. Et ça me donne de l'argent. Donc, en gros, c'est comme ça que je vais faire de l'argent, clairement. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut? Tiens, potion, qu'est-ce qu'elle veut du coup? Two healing candy. Two healing candy. Je pense que je devrais pouvoir en faire. Alors, two healing candy. Bon, on va les récolter. Je vais aller récolter. De toute façon, il va me falloir masse de trucs. Je récolte. C'est... Ah, il est parti. Donc, je récolte de la fourrure sur les petits lapins. Ah, en gros, ils ont un peu trop de poils, donc je récupère un petit peu, quoi. Normal. Ah, je peux pas la journée. Ça, il va me falloir aussi, parce que, comme vous pouvez le voir... Ah non, vous le voyez pas, parce qu'il y a mon personnage devant. Attendez. Je vais me déplacer. Voilà. Je suis déplacée. Voilà. J'ai une jauge. Une jauge plus ou moins d'endurance. Mais en gros, oui, quand elle est toute basse, la jauge, ben, je m'évanouis. Et du coup,
pour récupérer un peu de cette jauge, bah, il faut que mon perso soit il aille dormir, soit il mange des trucs. C'est hyper chill. Hein. Bon, les branches, il m'en faut aussi, donc... C'est bon, du coup, ça a mis à jour le jeu. Ok. Ah, alors là, ça bouge. Voilà. Ça, il m'en faut aussi. Il va falloir que je récolte un max de trucs, là. Ah oui, c'est bloqué. Il faut que je trouve un autre passage. Je crois qu'il y a un passage par en bas. Oui, parce que... Bah, Hogwarts a crash. Hogwarts a crash. Du coup, je fais une vérif des dossiers, mais c'est assez long. Enfin, une vérif des fichiers, plutôt. Attendez, je vais attaquer celui qui est là, d'abord. Moi, je l'attaque pas vraiment, hein. Voilà. Alors, il faut que je trouve l'autre passage. Ah bah, il est là. Je vais reprendre quelques fruits, ça pourra me servir. Et on va aller check. Ah mais c'est fermé aussi. Donc c'est pas ici non plus. Je sais plus comment on les attaque, eux. Ah oui. Ok. Comme ça. C'est bon, j'ai récupéré. Je vois pas. Bon, je suppose que oui. Ah, je peux pas aller plus bas. Ok. C'est peut-être en haut à ce moment-là. Je peux ramasser les mauvaises herbes, là, normalement. Ah non. Je pensais. Avant, on pouvait. Donc, je le redis, hein, mais le jeu, il est en accès anticipé, donc il n'est pas totalement terminé. Pas accès à toute l'histoire encore. Je ne me souvenais pas qu'il y avait un puits ici, d'ailleurs. Je savais que c'était cassé, mais... On va... Ah, attends. Il y a une plante, là. Alors. Il y en a plein, ici. Est-ce que j'ai déjà accès au village ou pas? Apparemment, oui. Parce qu'à la base, ici, c'est bloqué par des racines un peu chelou. Mais c'est bon, du coup, j'ai accès au village. Même si c'est encore tout cassé, là. Là, je peux désherber, là. Pour libérer un peu la place. Et en gros, je peux aider les villageois à remettre un peu en état tout ça. Ça doit être le bulletin... En gros, c'est l'hôtel d'Ivante. Non, je rigole. Le panneau d'affichage du village. Il n'y a rien, oui. Ah, c'est la mamie. Est-ce que je devrais te tricoter un chapeau? Est-ce que tu as une préférence? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Bah... Ah, mais elle a une boutique. Ah. Ok. Je suis désolée, hein, j'ai un peu du mal à tout traduire. Déjà que j'ai du mal à parler tout court. Mais en gros, c'est des petites histoires. Moi aussi, j'avais l'habitude de me perdre facilement quand j'étais petite. Lisa avait l'habitude de me secourir quand je me faisais attraper dans les toiles d'araignée et me ramener à la maison. Lisa, qui est Lisa ? Lisa est la sorcière qui était à la base dans la maison de sorcière où tu restes, où tu dors. Quand j'étais petite, elle m'aidait quand j'étais bloquée. On va dire quand elle était
Bref, vous avez compris. Comme toi et ton chapeau. Le chapeau s'appelle Rebrum, ok. Bon bah c'est tout. Là, c'est la petite maison. Ah j'ai pas encore réparé ça. Faudrait que je répare du coup. Ah c'est pas ouvert. Ou alors c'est fermé. Et du coup, vous voyez, ces grosses racines-là, bah, c'est un peu le problème actuel. Et il faut que je trouve une solution pour enlever ces racines. Oh, il est en vrac, son restaurant aussi. Est-ce que tu veux que je te cuisine du... stew, c'est quoi? Des trucs mijotés, quoi. Alors... shop. Ah, il vend à manger. Voilà, ragoût, merci. Je cherchais le mot. Ah, ça je suis un peu frustrée d'avoir perdu ma partie quand même. J'avais bien avancé, j'avais débloqué pas mal de trucs et tout. Ah. Le vent est agréable. Ok. Ok. Grand-mère a dit que ça veut dire qu'elles sont fanées. Sur Hogwarts ? Hein, quoi ? De quoi sur Hogwarts ? J'ai pas compris. J'ai entendu que ça peut repousser avec un peu de nutrition. Je ne peux pas attendre que ça repousse. Ah non non, sur ce jeu là. Vérifie dans l'encyclopédie et n'oublie pas de regarder dans le catalogue des sorcières, ok. Je vais aller check comment c'est tout là-haut. Ah j'ai pas accès, ok. Le panneau est cassé et la route est bloquée. Peut-être que le dieu est fâché. Quoi? Bah non. Pourquoi tu dis ça, Naï? T'as un souci? Il est pas pourri du tout, hein. Loin de là, hein. Ah mais ça c'est pas un problème de FF14, ça c'est un problème de soit ta connexion, soit ton PC. Après le jeu il fait 73 Go je crois, hein, donc il est un peu lourd. Hein. Donc c'est peut-être juste ça aussi. Hein. Si tu le retélécharges depuis le début... Je dialle quasiment à 70 MB avec une co-cuivre perso. Alors que Smallland sur Steam... Ouais, non, mais c'est pas du tout la même... c'est pas du tout le même poids, hein, Smallland et FF14. Je te dis, c'est FF... J'arrive pas à parler. FF14, il fait au moins 73 Go, je crois. Donc il pèse un peu son poids. Hein. Enfin, 90, voilà, bah encore plus. Donc, oui, ça prend un peu de temps. Si t'as pas la fibre, ça peut être long, effectivement. Vas-y, mon inventaire est plein. Super. C'est ce que j'ai sur le launcher. Ne me parle pas de fibre. Ah bah, je suis désolée, hein, mais... si t'as pas de la fibre, bah le jeu, il va être un peu long à télécharger. Dis-toi que Sadako, pour exemple, Sadako, quand il est mis à jour sur FF, il doit la lancer le soir pour le lendemain. Et malheureusement, c'est la triste réalité, hein. Sadako, pour tous les jeux, même pour Genshin, il doit lancer la veille pour le soir pour le lendemain. Alors, ça je range. Ça, j'ai pas besoin. Bon, il faut absolument que je trouve le levier là pour ça, parce que j'en aurai besoin en fait.
Tu te calmes, Naï, tu te calmes. Moi, j'y suis pour rien, hein. J'y suis pour rien, hein. Je ne dirais pas que j'ai eu la fièvre il y a 3 jours dans ce cas. Bah non, mais malheureusement. Attendez, je vais reprendre mes petites pommes là ou je sais pas quoi parce que je viens de me rendre compte que en fait il me reste plus beaucoup d'énergie. Et que si j'ai pas assez d'énergie, je ne vais pas vraiment pouvoir aller récolter. Ça aussi, c'est bien ça. Voilà. Je devrais emmener mon PC chez mes parents. Mais oui, non, FF, il prend. Voilà, si tu recherches depuis le début, ça va te prendre un petit peu de temps quand même. Hein. Même moi, en vrai, quand j'ai redéchargé le jeu, ça m'a pris presque. Ça m'a pris plus d'une heure déjà. Bon, alors. Vu que c'est pas par en bas. On va aller par en haut. Boost. Boost. Je vais trop vite. Alors, attendez. Ah, il y a des gens qui se croient tout seuls dans la rue, ok. Alors. Là, il y a un passage. J'ai divisé le temps exprimé en minutes. J'avais 23 heures de DL. En ADSL. Ah. Après, hein. Malheureusement, ça n'a rien à voir avec FF, hein. C'est ta connexion. C'est purement ta connexion. Ah, mais c'est bloqué ici aussi. C'est par où je dois passer, du coup. C'est là où j'ai libéré. Faut juste que je retrouve le chemin. Et dire qu'avant j'avais tout débloqué, j'avais accès à toutes les zones. Et maintenant, bah. Et bah non. Les heures d'affaires sont sûrement les meilleures que j'ai vues. Leur site est à chier. Ah, vas-y, je me suis trompée de touche et du coup, ben. Voilà. Bon. Ah, très bien. Ah, bah non, c'est cassé. J'avais dit ce serait bien, mais en fait, non, c'est cassé. Ah, c'est vrai, il faut que je fasse des potions de machin là pour passer. Ok. Non, mais le site, il a pas changé en 10 ans en même temps. Oui, le site, clairement, ça, je dis pas le contraire. Mais que ce soit le site de FF14 ou le site de Square Enix, hein, leur site, clairement, ils sont un peu à la ramasse. Il y a pire, hein. Clairement, il y a pire. J'ai vu pire, certes. J'ai vu bien pire. Mais j'ai vu mieux aussi. Leur site, c'est pas ouf. Comment ça, mon... Ah, mais j'ai pas de place, en fait. Genre, j'ai zéro place dans mon inventaire, c'est pour ça. Bon. Il va falloir que je fasse des potions pour faire pousser les racines. Je l'ai raté là. Avec la PS4, je n'avais pas autant le temps. Bah, je sais pas. Mais en tout cas, si t'es en ADSL, c'est normal que ce soit plus long. Super. Avec aucun changement en 10 ans, je n'appelle pas ça être un peu à la ramasse. Bah, c'est pas qu'il est pas à jour le site, hein. Il est à jour. C'est pas le problème. Le site est à jour. Le problème, c'est le format du site. Vite, sinon je vais m'évanouir dans la nature. Et voilà, hop. Pourquoi une telle différence entre FF14 et Smoland? Bah parce que c'est pas le même contenu. C'est pas le même contenu, tu compares un MMORPG à pas un MMORPG.
Donc c'est beaucoup plus lourd, hein. FF14, t'as quand même 10 ans de lore dedans. 10 ans de jeu avec... Il y a combien d'extensions? Attends, Heavensward, Stormblood, avec 4 extensions. Du coup, il y a toutes les maps qui vont avec. Bah, toutes les zones, enfin... Non, il n'y a pas 6 extensions. Il y a Heavensward, Stormblood, Shadowbringers, Endwalker. Ça fait 4. Sais pas compter, ou alors peut-être. Ok, alors. Déjà, j'ai plus de place dans mon inventaire, donc on va aller ranger tout ce bordel. Là, je suis d'accord, mais comment ça se fait que j'ai une différence de bande passante? Bah, je sais pas. Est-ce que sur ton PC, t'as... Alors, ça peut arriver que des fois, la bande passante sur le PC, elle est bloquée. Pour quelque raison que ce soit. Donc, soit la prise internet de ton PC qui va vers ton PC, sauf si t'es en Wi-Fi, je sais pas, ça peut être bloqué. Ou alors, c'est juste dans ton PC, t'as un paramètre qui bloque la connexion. Ça peut aussi être ça, hein. J'en ai vu plein d'ailleurs, des guides sur YouTube, etc. Ou même sur TikTok, qui expliquent que ça peut être une des raisons pour lesquelles tes jambes sont longues. Et en fait, on ne sait pas forcément, mais tu peux avoir des... Bah oui, mais du coup, ça peut être ton PC. Il peut y avoir un paramètre qui bloque ta connexion. Donc, bah, je te conseille d'aller regarder si tu peux. Genre, comment débloquer la connexion Internet, tout ça. Parce que moi, c'est ce que j'ai avec mon PC actuel. Je suis branchée et... Alors, c'est pas mon PC qui est bloqué, c'est la prise. La prise internet, elle est... Bah, elle est pas... comment dire? Elle ne relâche pas ce qu'elle est censée relâcher. Voilà. Alors, il me faut, j'ai dit, pour faire pousser. Alors, nanana... Nutrition, c'est ça, hein. Nutrition, potion. Ah oui, ah non, il faut que je fasse des Healing Candy aussi. Healing Candy. Donc, two witch flower, two maple herbs, feu à 4. Il faut que je mélange vers la droite. Ok. À faire une potion. Donc on a dit. J'en ai qu'une. Vas-y, j'en ai qu'une. Mais c'est parce que... Mais attends. Ah oui, j'ai pas pris sur moi. C'est pour ça. Ça fonctionne mieux si je prends tout sur moi, n'est-ce pas? Bah, Rim Reward, c'est pas une extension, c'est le jeu de base. Donc c'est pas compté comme une extension. C'est pour ça. Rim Reborn, c'est le jeu de base. Extension, c'est vraiment ce qui se rajoute au jeu de base. Mais oui, en gros, si tu comptes le jeu de base plus les 4 extensions, bah ça fait du contenu, quoi. Donc c'est lourd. Ah bah si, officiellement, Rim Reborn n'est pas une extension vu que c'est le jeu de base. Alors, on a dit ça. Pourquoi il dit 2? Je peux pas en mettre 2. Donc 4, il faut que je tourne vers la droite. Let's go. Et il m'en faut un deuxième, ça me fera au moins un peu de sous, à défaut. J'aime bien quand on fait des potions, c'est rigolo. Une petite animation qu'ils ont mis. Ok, je vais ranger le reste. Ensuite, on a dit... Pour faire... Nutrition. Silver Star Bell. Maple Herb Bug. Bush Bug. Est-ce que j'en ai? Alors, Maple, j'ai. Ça, j'ai. Ça, normalement, je dois pouvoir en faire. Enfin, ça dépend combien il en demande. Ah! Je peux en faire un. Donc, feu 3 et à droite.
feu 3. Et droite. Je vais au moins pouvoir faire pousser une racine. De toute façon, j'ai pas de quoi en faire une deuxième, si. Non, j'ai pas de quoi. Ça... Attendez, je veux... Je ne veux pas la sélectionner, mais ok. Bon, c'est pas grave. Ok, je vais aller donner les bonbons. C'est très chill, hein. Clairement, n'hésitez pas à l'heure qui a vaqué à vos occupations en même temps. Selected, ok, je lui donne. On me donne de l'argent. Merci, parfait. Ensuite, du coup, la nouvelle commande, c'est quoi? Ah bah, repareil. Ah, ce soir, je récolte un petit peu. Ensuite... Ouais, parce que le Moonbla potion, là... J'ai pas ce qu'il faut. Faut vraiment que je trouve un passage, en fait. On va retourner par... Aïe. J'ai un peu mangé le mur. C'est pas grave. Alors. C'est pas par là. Ah, les oiseaux, il me les faut. Alors, attendez. Ah. Je sais plus comment on fait, les oiseaux. Est-ce que je peux marcher? Ah oui, je peux marcher. Ok, c'est comme ça. Les oiseaux, c'est un petit peu compliqué à choper. Ah, c'est bon. Ok. J'ai paniqué, mais je me souviens comme... En fait, faut que ça tombe. Faut qu'ils fassent tomber leurs petites fleurs. C'est un peu compliqué. Ah, il y en a un autre. Ok. Excusez-moi, je suis concentrée. Parfait. Fleurs pour moi. Suivant. Ah, monsieur, tu en avais un autre. J'ai pas vu. Ah, faut pas, je me fasse savoir. Oh non, il a pas fait tomber sa fleur. Vas-y, là. Ok, alors. Alors là, du coup, je peux utiliser la potion trop wild aiming. Aim. Trop. Voilà. Ok, incroyable. Maintenant, je peux grimper sur cette racine. Ah oui, non, il faut que je passe par au-dessus, bien sûr. Voilà. Je vais pouvoir grimper ici. Je vais pouvoir récupérer ça. Ah, on a réparé. Parfait. Et techniquement, je vais pouvoir passer. Ah, je vais me faire avoir. Vas-y, fais ta fleur. Fais ta fleur.
Petit oiseau, fais ta fleur. Il veut pas faire sa fleur. Allez, là. C'est bon. C'est bon, je l'ai. Alors. Je sais pas si je peux aller en haut dès maintenant. Ah non, je pourrais pas. Il me faut une potion pour faire de la lumière. Ok. Ah oui, alors eux, ils sont rigolos. Regardez. Je peux leur gratouiller le ventre. Du coup, ils font des bulles. Vas-y, mets-toi sur le bidou. Enfin, sur le dos, du coup, pour que je te gratouille le bidou. Allez. Voilà. Je gratouille le bidou. Il fait des bulles. Et les bulles, bah, je les récupère pour faire des potions. Ils sont marrants, non? Vite, faut que je gratouille le bidou. Ok. Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a peut-être d'autres en bas. De toute façon, il me faut de tout, là. J'ai plus rien. Ah! Encore des oiseaux. Vas-y, c'est barré sans laisser la fleur. C'est quoi ce bruit? Il y a un truc bizarre. Il y a un... Il doit y avoir un piaf bizarre qui traîne quelque part. Mais alors, ouf. Quel est ce bruit étrange? Oh, on se rapproche. Qu'est-ce qui se passe? Je me souviens pas qu'il y avait ça. Bah oui. Quel est ce son? C'est bruyant. Je suis sûre que les oiseaux gaga pourraient faire ce son si on les tenait la tête à l'envers. Ah, mais c'est ce truc, c'est vrai. J'avais oublié cette espèce d'autre chelou. C'est un oiseau gaga. Peut-être que pour l'oiseau, ça s'appelle à l'envers. Ok. Ok, ok. Est-ce que tu penses qu'on peut passer à travers? Nous pourrions. Si nous pouvons endurer... ce terrible son. Non, je crois que je vais devoir faire une potion aussi pour le son. J'avoue, il est bruyant le piaf, hein. Bon. La potion boule caisse. C'est pas une potion boule caisse, c'est une potion contre les mandragores. Tu vas bien car tes oreilles c'est du cuir. J'aime bien. Enfin de la peau. Oui. En vrai, tes oreilles aussi c'est de la peau, effectivement. Mais oui, non, ils vont me demander de faire une potion de type mandragore. Vas-y, va falloir que je fasse une deuxième potion pour récupérer la craie qui est là. Parce que la craie, ça me permet de débloquer certains passages. Donc là, j'en ai pas sur moi de craie. Non, j'en ai pas. De toute façon, mon inventaire, il est plein, donc je peux rien ramasser de nouveau. Ouais, non, attends. Je vais quand même aller check, mais... Ah, oh, c'est vrai qu'il y a les grenouilles. Attendez, déjà, je vais voir si je ne l'ai pas déjà dessiné.
Et parce que je peux dessiner les animaux et les plantes et tout machin. Et zut. Nya. Je sais plus comment on les attrape les grenouilles. Ah, je l'ai attrapé mais j'ai plus de place. Attendez, je vais vider. Voilà. J'ai attrapé une grenouille. Oui, ta goule le piaf. Tu me casses les oreilles. Ok. J'ai chopé une deuxième grenouille, parfait. Ah, ça c'est la map, très bien. Ah, est-ce que... Ah ben, je vais pouvoir ouvrir un des deux passages. Ah bah celui-là, du coup, ok. Et celui-là, il est cassé. Et il me faut une craie. J'aurai pas le temps de tout explorer. Faut que je rentre dormir d'abord. Speed, je speed avec mon balai magique. Ah oui, et du coup, est-ce que peut-être j'ai le temps de faire quelques potions? Parce que je dois encore faire des healing candy. Non mais, alors. Ça va faire. Ah oui, mon inventaire est plein, gna gna gna. Hop, ça je peux ranger. Voilà. Non mais si je re-remplis mon inventaire, ça sert à rien. Ah oui, ok, il y a un coffre, c'est pour les objets de quête. Et il y en a un autre, c'est pour les compos. Ça me revient maintenant. C'est le moment de craft. Ça fera un peu de place. Et de toute façon, j'en ai toujours besoin. Smile Bubble. Ton inventaire est plein. Comment ça, mon inventaire est plein encore? Mais très sympa ce jeu en tout cas. Ah. Faut vraiment que je trouve pour débloquer mon inventaire. Mais je crois que justement c'est avec la vendeuse. Je crois qu'il faut les acheter les emplacements d'inventaire avec la vendeuse. Bon, je vais refoutre dans le coffre sinon il va me dire que c'est plein. Voilà. J'ai de la place. Cette fois j'ai de la place. Okay. Mais très sympa en tout cas le jeu, si jamais vous y jouez aussi, direz ce que vous en pensez. Il est cool graphiquement, j'aime bien le style, ce style de pixel, j'aime beaucoup. Alors donc il faut que je fasse en priorité ça. Donc 2 witch flowers et 2 maple herbs. Witch flower et maple herbs. Ok. Donc ça j'ai. Ah mais non, attendez, j'ai que... Ah, il me faut des maple herbs, j'en ai pas assez. J'en ai qu'un. Pourquoi j'en ai qu'un? Je croyais que j'en avais un deuxième, mais non. Je sais plus où on les récolte en plus. Je peux faire que un healing candy.
Maple herb, c'est sur quoi déjà? Ah ben oui, c'est ce qu'on récupère sur les parois là, avec les mangues. Enfin, ces espèces de mangues, j'appelle ça des mangues, mais... ok, donc il faudra que je retourne en chercher. Ça, bah il va m'en falloir aussi. Et pour l'autre potion... c'est quoi? C'est ça, ok. Ah oui, dried pumpkin. Mais je peux pas la faire tant que j'ai pas réparé ce machin. Évidemment, il me dit pas où ça peut être. J'ai aucune idée de où il peut être ce machin. Bref. Ah oui, des fois on a des petits rêves. Où es-tu passé, Virgile? C'est juste dans ta tête. Pourquoi est-ce que tu parles? Attends, quoi? Pourquoi tu racontes n'importe quoi après une bonne nuit de sommeil? Quoi? Tu n'étais pas là. Arrête de parler en dormant et va laver ton visage. Qu'est-ce que... C'était un rêve? Ah bah justement, elle vient d'avoir un rêve. Ok, donc... Maple. Je vais focus le maple. Je vais aller chercher plein de maple. On a ouvert la porte ici. Là, il y a encore le piaf qui fait du raffut, là. Ah voilà, maple, il y en a. Ici, il y a du maple. Ah super, j'ai fait fuir les piafs. C'est ça, le maple. Faudrait que je refasse... ouais, faut que je refasse aussi une potion nutrition. Me casse les oreilles, le piaf, hein. Vraiment, hein. Quel relou. Pire que papy, hein. C'était gratuit. Attends, j'arrive, je vais te caresser ton bidou. Ah, j'ai pas eu le temps. Ah, voilà. Comment ça? Mais mon inventaire est déjà plein encore. J'en ai marre. Ah, mais c'est à cause des fruits, ça. Bon. Je vais ramasser ça. Il me fait penser au Pokémon. Oui, un peu. De toute façon, je pense que c'est dans le même style, hein. Quoi? J'ai pas dit Nai. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit papy. Papy Ménélos. Je n'ai pas le seul papy dans ce chat. Ah, mais oui, oh là là, c'est bon. Ok, il me faut des maples. Plein de maples. Je vais focus sur les maples. Alors, est-ce que... Non, je peux pas grimper tout en haut. Oh, ça va, hein. Je sais que je suis... Bah, c'est toi hein, qui a réagi quand j'ai dit papy, hein. Moi, j'ai rien dit, hein. Moi, je parlais de papy Ménélo. C'est toi qui a réagi tout seul. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Bon, j'ai du maple. Ah, là aussi, il y en a, parfait. Ah oui, là aussi, il faudra que je répare les vignes. Donc, il faudra que je fasse une popo. Donc là, il faudrait que je fasse... Attends, pourquoi? Il faudrait que j'en fasse deux, minimum. Pourquoi le truc, il a repourri? Fais ta fleur, petit oiseau. Parfait. Fais ta fleur. Allez. Ah, ça va, je lui fais juste tomber sa fleur pour que je la ramasse. Je le martyrise pas non plus. Je suis gentille.
Est-ce qu'il y a des maples là-bas? Oui, il y a des maples là-bas. Est-ce que je vais pouvoir y aller? Ah, j'avais pas vu, il y avait les oiseaux là. Tant pis. Tant pis, tant pis. Fait full maples aujourd'hui. Voilà, là, là. Il y en a plein partout, trop bien. Est-ce que... Comment ça? Non, mais vas-y, c'est relou. Bon, ben, retour à la maison, alors. S'ils pouvaient faire leurs fleurs en même temps, ce serait parfait. Non, pas encore. Bonne soirée, Nagisa. Merci beaucoup d'être passée. Repose-toi bien, bon courage. Je sais pas, faut que je recheck. Non, normalement, c'est pas très cher au début. Et mercredi. J'ai fait trop vite. On va aller ranger ça dans l'inventaire vite fait, là. Non, et de toute façon, là, je vais pouvoir donner la commande à la madame, là. Donc, ça va me faire un petit peu plus de sous. Alors, ça je range, ça aussi. Non, sérieux, j'ai plus de place là-dedans non plus. Bon, c'est compliqué. J'adore le labo, en mode labo secret. Oui, mais c'est l'atelier de magie. C'est l'atelier de la sorcière. Mais ouais, il est sympa, j'aime beaucoup. Donc, on va refaire déjà le deuxième. Ça, ça, 4 et à droite. Je vais lui donner. Attendez, je prends juste mon petit coussin. Vu que je suis à la manette, ça, je pourrais poser mes bras dessus. Ça fera du bien. Ah, ça fait du bien. Livraison. Voilà. On fait des sous. Suivant, c'est quoi? Encore? Ah non, c'est... Ah non. Attends, si. Bah si, 3. Elle en veut 3. Ok. Je vais prendre, de toute façon, il va me falloir de l'argent. Shop. Upgrade your... Ah non, c'est... Roster. Ah non, ok, donc c'est pas ça. C'est peut-être pas elle, en fait, qui améliore le sac. Non, c'est que des recettes. Ça, il va me le falloir pour passer. Et ça, c'est pour la lumière. Ok. Bon, bah, je sais pas comment j'améliore mon sac du coup. Hein. Je ne me souviens pas. Je vais aller au village, je vais voir peut-être qu'il y a un truc que j'ai raté ou alors faut vraiment que je fasse les quêtes. Grading, machin. Parce que là... Attendez, moon potion. Faut que je fasse cette potion pour lire le mémo. Le problème, c'est que pour faire cette potion, il faut que je fasse des trucs séchés. Et pour faire les trucs séchés, il faut que je répare
le truc là. Le machin là. Qui est cassé. Et je ne sais pas comment le faire. Peut-être que c'est elle, hein. Quoi ? Il est quelle heure, là ? Bah, c'est censé être ouvert. Ah, mais non, je suis en train de lire le panneau et au lieu de parler... je suis bête. Je suis bête. Ah, voilà. Ok. 180 ! J'ai pas assez. J'ai pas assez du tout. Ah! Ah, vas-y, il me faut tellement d'argent en fait. Ah, quoi que ça, j'ai acheté. J'ai assez pour l'acheter. Parfait. J'avais pas vu. Genre, mon sac est plein, mais sérieux, mais y a rien qui va dans ce jeu. Je reviens! Je reviens, t'en vas pas. Je vais vider mon sac. J'arrive. De toute façon, là, je vais être bloquée tant que je répare pas ce truc. Je vais plus vite que la lumière. Ok. Let's go. Avec trop de choses dans les poches. Mais oui, mais t'as vu la taille des poches aussi? C'est tout minuscule. Pas de place. Et le problème, c'est que... Je peux même pas... Ah, attends. Use. Ça fonctionne mieux déjà quand on fait ça. Ok. Alors. Déjà, je vais faire le healing candy. Vu que je peux en faire. Enfin, je peux en faire au moins un. Il m'en faut trois en plus au total. Donc j'ai pas assez. Que j'aurai assez pour en faire 3. Comme ça, je les revends vite fait. Yes, je peux en faire encore. Parfait. Ça, je peux en faire encore. Ça, ça me vide mon inventaire. Ça aussi. Ok, alors, il faut que je fasse encore 2 healing candy. C'est parfait, j'ai assez. Je connais la recette par cœur. Bon, en même temps, elle n'est pas très compliquée, cette recette-là, mais... Ok, ça c'est bon. Du coup, je vais juste ranger le reste. Là. Ok, c'est pas grave. Hop. Faut juste que je retourne voir la vendeuse avant 18h. Normalement, j'ai le temps. Tiens. Hop, je te donne tes potions. Ça, tu me donnes de l'argent. Très bien. Ok. Vite. Vite, 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 vite. Voilà. C'est bon, je suis à l'heure. Alors, shop. Shop. Comme ça, je lui achète ça. Parfait. Ensuite, je vais lui demander aussi. Elle veut... Curse Lifting Candy. Ah, puis elle me donne masse d'argent, en fait. J'ai tout intérêt à aller prendre ces requêtes. Attendez, Curse Healing Candy, est-ce que... Ah non, c'est Candy, je suis bête. J'ai de quoi en faire. Il va falloir que je retourne chercher du Maple. Ok. Oh, chercher du Maple. Plein de Maple. Je crois que j'en ai... Ouais, il m'en reste un. Et elle en veut combien ? Elle en veut
2. On va chercher du maple. Mon balai va bientôt se casser. C'est embêtant. Mon balai, il va bientôt casser. Ok. Faut que je fasse gaffe, du coup, à la place que j'ai dans mon avant. Maple. Moi, je veux le maple. Ok. Je vais essayer de récupérer ça aussi. Allez, faites vos fleurs, là. Fais ta fleur. Ok. Maple. Maple, ici, il y en a plein. Voilà. Là, il y en a aussi. Faut que je fasse gaffe parce qu'il fait bientôt nuit. Vas-y, fais tes fleurs. Faut essayer. Ah, mais c'est parce qu'ils font nuit, ils s'en vont quand ils font nuit. C'est vrai. Mais ça, il va m'en manquer, donc je récupère. Est-ce qu'il y a du maple ici? Oui, il y a du maple. Là aussi. Ok. Encore plein de maple. Ah, il faut une crêpe pour réparer le pont, là. Il y a quoi, là? Oh, la jolie fleur. Non! Vas-y, mon inventaire, il est plein. Du coup, je peux pas la récupérer, le papillon. Tant pis. Tant pis. Est-ce qu'il y a encore du maple si je vais un peu plus haut? Je vais essayer de garder mon balai pour rentrer rapidement tout à l'heure. Il va falloir que je le répare. Alors, là, il n'y a plus de maple. Là, il y a du maple. Elle est jolie, la musique, hein? Elle est sympa, hein? Là, il y a du maple aussi, je crois. Yes. Et je crois que c'est bon pour ici pouvoir rentrer. Je fais des courses de balai, moi. Ah, attendez. Je vais la prendre aussi. Ah non, il a plus d'énergie. Ça y est, c'est fini. Il a plus d'énergie, le truc. Bon, ça va. Je suis dans les temps. Alors. Ça va, Sadako ? Alors ça, je peux pas le ranger. Je peux rien. Ah si, je peux ranger ça. Ah oui, alors je vais pouvoir réparer ce machin. Oui, use. Voilà, maintenant on peut utiliser le grille-pain. On va appeler ça le grille-pain. Ensuite. Je peux vraiment à peine me servir de mon bras gauche, c'est chiant. Et du coup, d'ailleurs, après plusieurs heures de farm pour vos têtes, l'eau. Hein? Comment ça? J'ai pas compris. Comment ça, de farm pour nos têtes? T'as farm quoi?
désolée hein, si j'ai pas suivi, mon cerveau il est ramolli avec les médicaments là. D'ailleurs, Sadako, je sais pas si t'as vu, mais normalement on est 6, au moins 6 d'inscrits pour mercredi. Et Nounou m'a dit 6, on lui roule dessus. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Et moi, ça m'arrange aussi parce que la monture, je l'ai pas, pour le coup. La seule monture que j'ai pas sur les Eden, c'est celle de Shiva. Ok. Du coup, c'est ça que je vais devoir sécher. Ça, je peux le sécher aussi, déjà. Ah oui, faut que... Bah, attendez, je vais d'abord faire ça. Donc, dry pumpkin, machin truc. Et oui, quand je suis allée à la pharmacie tout à l'heure, du coup, parce que le médecin, il m'a prescrit une crème en plus à mettre sur mon bras. Plus une attelle. J'ai une attelle de poignet à aller faire. Sur mesure pour dormir. Sur No Man's Sky, pour 3 personnes, chacun va avoir un vaisseau, un multi-outil et environ 2 minutes. Oh, mais ça va pas à la tête, Sadako! Mais t'es trop un bro! Incroyable! Je savais pas que t'étais en train de faire ça, moi! C'est trop gentil, merci! Oh là là! Incroyable! Et du coup, ouais, j'ai une attelle. Alors, je suis allée voir à la pharmacie pour ça. Alors, l'attelle, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas la faire. Il faudra que j'aille dans Paris pour la faire. Parce que c'est vraiment du sur-mesure. Donc, c'est-à-dire que je vais devoir y aller deux fois. Je vais devoir y aller une fois pour les mesures, etc. Machin, et une autre fois pour récupérer mon attelle. Mais c'est pour dire à quel point... en gros, le médecin, lui, il a dit « Ah non, non, il faut une attelle pour dormir. » Et c'était une raison aussi pour laquelle j'ai toujours mal quand je me lève. C'est que probablement, en dormant, bah... Ouais, mon bras, il est un peu libre et je pense que je dois me refaire mal encore. Bref. Et à la pharmacie, parce qu'ils me connaissent bien, enfin, c'est toujours chez eux qu'on va depuis qu'on est ici. Et la dame, elle me fait « Alors, ça va mieux ?» Je lui fais « Pas du tout. » Elle me fait « Mais c'est pas normal quand même qu'il vous ait pas mis d'arrêt maladie depuis 3 semaines que vous avez mal et tout. » Je dis, bah ouais, mais maintenant, faut être en train d'agoniser pour avoir un arrêt maladie. C'est triste, hein, mais... En fait, c'est soit faut être en train d'agoniser pour avoir un arrêt maladie, soit faut que le médecin, il s'en fout et tu lui dis, je peux avoir un arrêt, il te met un arrêt, tu vois. Moi, malheureusement, je suis tombée sur des médecins, même en leur disant que j'ai mal, que j'ai mal toute la journée, que ça me gêne pour travailler, que j'en peux plus de la douleur, même en disant ça, bah il me donne pas quelques jours de repos. C'est surtout la faute de ceux qui ont trop abusé des arrêts maladie pour rien, mais oui, ça dépend du médecin aussi. Oui, évidemment. Mais c'est pas une raison, enfin je veux dire, un médecin, il est censé faire la part des choses, quoi. Donc, à partir du moment où je suis en train de lui dire que littéralement, je ne peux pas me servir de mon bras parce que j'ai trop mal... Bah, je sais pas, enfin... Et que j'en ai besoin pour travailler, je sais pas, enfin, c'est logique, non? Normalement. Alors, Curse Lifting Candy. Il m'en faut 2. On a dit quoi? Squishy Maple. Ok. Squishy Maple, 3, il faut pas mélanger. 3, non. 3 et on mélange pas. Sadako, on a parlé sur Discord. Je ne sais plus si c'est chez toi, Mali, ou chez quelqu'un d'autre. Attends, les crédits, c'est easy par farm. Je me fais dans les 200 millions. Tu es un ouf, en tout cas. Mais oui! C'est un fou! Mais merci beaucoup, Sadako. Parce que du coup, c'est vrai que ça nous permet d'avancer un peu plus vite la prochaine fois qu'on fera du... Alors, de mon côté... Enfin... Comment dire, de mon côté. Je sais que Nounou sera pas dispo cette semaine pour faire du No Man's Sky. C'est pour ça que je l'ai pas prévu dans le calendrier. Je prévois quand même de refaire une session. Je vous redemanderai à l'occasion de toute façon, parce que le but c'est quand même qu'on puisse jouer ensemble.
Moi, pas mieux, je taffe de nuit. Oui, y a pas de souci. Mais ouais, maintenant que j'ai le jeu pour de bon, on pourra y rejouer de temps en temps. Alors, les Curse Lifting Candy, je les ai. Ensuite, il faut que je fasse. D'abord, il faut que je fasse ça. Donc, Dry Pumpkin et Bird Flower. Dried Pumpkin et Bird Flower. Normalement, j'ai. Donc, 3 et on mélange pas. Dried Pumpkin, Bird Flower, on mélange pas et 3. Mais tu es quand même un taré. Oui! C'est un fou, Sadako. Ok, donc j'ai la potion pour lire le mémo. Ok, ça c'est bon. Ensuite, il faut encore que je fasse une potion. Il faut que je fasse ça. Donc, il me faut. Ah! Mon perso s'est endormi. On a dit. D'abord, ce que je vais faire, comme ça, c'est fait. Je vais prendre ça. Ensuite, je vais ranger ça temporairement. Je vais boire la potion. Drink. Voilà. Que penses-tu? Est-ce que tu penses que tu es un petit peu plus intelligente? La Terre est ronde. La Terre est plate. Si c'était rond, comment les gens en dessous et à côté pourraient tenir debout? C'est parce que la Terre. Attends quoi? Is pulling the object above it. D'accord, ok. Aspire les objets au-dessus d'elle. La gravité, quoi. Ok, et la raison pour laquelle une force apparaît. Ne sois pas stupide et lis la note. Même si je ne suis pas sûre que tu es vraiment devenue plus intelligente. Donc en gros, le chapeau qui est censé être l'être intelligent des deux est un platiste. Tear of the Moon. Bunch of Moonflower on a cup of sacred water. Ok, donc Moonflower, de l'eau sacrée. Faire bouillir le jus de la Moonflower et de l'eau sacrée en mélangeant dans le sens aiguille à feu doux. Voilà, la recette. Attends, il y a d'autres écritures. Parce que c'est difficile avec Luna. Oui, ok. Je ne peux plus lire. Je suppose que la potion a fait effet. Ne fait plus effet, pardon. Mais je peux encore lire les informations importantes. Mais l'eau sacrée, où est-ce que je peux récupérer ça? Tu peux normalement récupérer ça dans des dans emplacements tels que des sanctuaires. Mais je pense que tu vas devoir en acheter à Diane. Bien, puisque la Moonflower. Puisque nous avons la Moonflower, allons le faire rapidement. Oui, c'est rapide de, si on a l'eau sacrée. Ok. Eau sacrée, bah techniquement, on va pouvoir la récupérer dans le sanctuaire du chat, non? Mais absolument pas de récup ça via mes femmes. Je récupère ça via mes fermes. Je bosse jusqu'à fin de semaine et après 3 semaines de congé. Mais tu es quand même un taré, non juste un pirate. Moi, j'avais oublié de ce détail. Le corsaire de l'espace. Ah, tu attaques les vaisseaux, c'est ça? Je vais dans les systèmes pirates et je chasse tous les transports et cargos que je vois. Comme ça, j'ai pas la police aux fesses. Et ça me permet aussi d'avoir des objets de contrebande qui rapportent plus dans un système réglementé. Naya le bâtard. Naya le bâtard. Pas mal, pas mal. Ok alors. Tear of the Moon. De toute façon, j'ai pas tout. Il faut que je fasse. Earmuff. Donc grenouille, wetland, blue moon. Blue moon. Wetland, j'en ai wetland. Et c'était quoi? Là, oui, la grenouille.
La grenouille, je l'ai, ok. J'ai pas assez pour faire. Ah, il faut que j'aille chercher d'autres papillons. De toute façon, il va m'en falloir aussi pour. Ah bah non. Ah oui, attends, il me dit Moonflower, j'ai. Oui, Moonflower, j'ai. Ok, effectivement. Je vais ranger. Je vais aller donner ça. Ça me fera de l'argent. Je vais aller demander pour l'eau sacrée. Elle veut quoi? Ah bah tiens. Diane, est-ce que tu sais, est-ce que par hasard tu vends de l'eau sacrée? Oui, j'en ai. Est-ce que tu veux que je l'enregistre dans le catalogue si tu en as besoin? Oui, s'il te plaît. Très bien, c'est un petit peu cher. Est-ce que ça te va? À quel point cher? Ça coûte 150 Luna Coin. Ah, c'est trop cher. Je n'y peux rien. C'est parce que c'est un ingrédient précieux. Est-ce que tu peux me le vendre sur crédit? Vendre sur crédit, c'est un petit peu... J'en ai vraiment besoin maintenant. Est-ce que c'est possible? Je te promets, je te paierai. La maître sorcière... La maîtresse... Attends, quoi? La sorcière... La sorcière... Bref. La sorcière se porte garante. Ah oui. Sûreté n'est pas possible. Garantie, oui. Juste une minute. Laisse-moi réfléchir. Alors... Second class, just accept. They would promise to give something bigger. Ok. Ok, j'ai pris ma décision. Je vais te donner l'eau sacrée en crédit. C'est tout? Oui. Je suis seconde classe. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne t'inquiète pas. Donc tu me donnes vraiment l'eau en crédit? Oui. En général, je ne le fais pas. Mais Ellie est mon... Ah, j'arrive plus à parler. Et une de mes clientes favoris. Cette fois, je te le donne par crédit. Yes, let's go. Bon, bah très bien, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire la potion maintenant. En échange, je vais te donner la sûreté, Kelly. En échange, je te la donne... Ok, ok, j'ai pas compris, mais ok. Garantie. Ok. Elle veut quoi sinon? Healing Candy encore. Yes. Alors. Donc. Ah oui, j'ai pas réparé mon balai. Faut que je répare mon balai. Faut que je répare mon balai. Il faut quoi déjà pour réparer le balai? Je dois avoir ça. Il faut du bois et de la boue. Est-ce que je vais en avoir assez? La boue, j'en ai pas des masses. Ah oui. Ah oui, non, c'est du bois ou de la boue. Ok. Parfait. J'ai réparé mon balai. C'est bon, il est surboosté. On va tracer. Donc ça, je range. Ça, je range. Ça, j'en ai plus besoin. Ah oui, mais... Alors, attendez. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça, je peux faire la potion. Et il faudra que j'aille chercher des papillons la nuit. Donc. Feu à deux et à vers la droite. Ok. Faut pas que je me rate. Feu à deux. Ok, faut pas que je me rate. C'est bon. On a notre potion. Très bien. Ok. Nous avons la potion. Nanana. Non, il faut trouver la base. Alors. Faire une petite vine core. Is there a way to avoid? Attends.
Ah oui. Bon. Est-ce que j'ai de quoi faire les healing candy? Attends, c'est bien healing candy, hein, Kev. Ah, je vais y arriver. Curse Lifting Candy, je les ai. Et ensuite, on a dit quoi? Healing Candy. Healing Candy, Witch Flower, Maple Herb. Est-ce que j'en ai assez pour les faire maintenant? Ma Witch Flower. Yes, je vais pouvoir les faire maintenant. Parfait. Alors. 4 et à droite. Comme ça, je vais pouvoir tout vendre. Ah oui, Naï, regarde dans le Didi Malidou Twitch. Tu vas dans Screenshot et remonte un peu. Tu vas voir ma distance absurde de saut avec un vaisseau actuel. Et à droite. Et dis-toi que je peux aller encore plus loin. Pauvre fou! Ok! Donc là, je vais pouvoir faire plein de trucs en même temps. Donc, je vais échanger, je vais prendre ça, je vais ranger ça. Je vais aller donner les bonbons à Diane, les bonbons à Auréa. Ça va me faire de l'argent. Et ensuite, il faut que j'attende la nuit pour les papillons. Yes. Ok. Auréa. Auréa, elle est là-bas. Hop. La moula. Yes. Ah, et elle veut quoi? Curse Detection Candy. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a à vendre déjà, elle? Rien d'intéressant. Ok. J'ai dit quoi? Il faut que... Ah oui. Il faut que je fasse la potion pour pouvoir passer là où il y a le piaf. Sauf que il me faut les papillons et les papillons c'est que la nuit. Du coup, en attendant la nuit, ce que je vais faire, c'est que je vais aller récolter un peu. On va faire ça. On va aller récupérer ces trucs-là. Voilà. Ça, j'en ai quasiment pas non plus. Je vais en récupérer aussi ça, tiens. Mais, voilà. Je vais y arriver. Voilà. Ils sont où les autres? Ils sont barrés où? Ah, ils sont là. Me demandez pas ce que c'est, mais moi je sais pas ce que c'est. Voilà. Où sont les autres? Il y en avait un deuxième tout à l'heure, il est barré où? Sale cité, va. Il est pas cité, c'est juste un pirate. Ah, là, il y en a un. Oh, il s'est barré loin, l'enfoiré. Ok. Est-ce que je peux aller par là ou pas? Ah non, c'est toujours bloqué. Ah bah non, mais c'est par là que... En fait, je dois passer là où il y a l'oiseau. Parce que c'est de l'autre côté du chemin, en fait. Donc c'est lui qui va me permettre de débloquer le passage.
Il me reste un emplacement. Du coup, je peux aller chercher des maples à la limite. Ah, mais non. Il est quelle heure, là? Ok, ouais. Je vais farmer un peu les plantes, là. Et après, je vais retourner à la maison. Je vais refaire de la place. Fais ta fleur, petit oiseau. Honey. L'autre, il arrête pas de la faire, mais... Moi, je veux que le premier, il la fasse. Honey. Fais ta fleur, bordel, vite. Ah, les relous, quoi. Prendre du maple. Ah bah oui, j'ai plus de place. Voilà, maintenant j'ai de la place. Bouffe des pommes. Ah, mon inventaire est plein. Ah bah oui. Ok. Là, voilà. Faudrait qu'on décide, Smallland, si... Enfin, je sais pas encore, mais... En fait, le truc, c'est que ça dépend de mon examen. Pour Smallland. Parce que j'ai mon examen, j'ai mon électromyogramme. Vendredi matin. Et je sais pas, en fait, dans quel état je vais être au niveau de mon bras. Ah, merde. Il est parti. J'ai un électromyogramme. Oui, à faire. Et le problème, c'est que bah ça risque... Enfin, je pense que je risque d'avoir mal après, puisque ça va... Bah, littéralement, ils vont me balancer des petites décharges électriques dans mon bras. Donc, je suppose que... Ça... Je vais peut-être avoir un peu de mal après. Donc, ouais, je sais pas encore, en fait. Mais je n'ai pas suivi. Qu'est-ce que tu as? Bah, c'est justement ça le problème, c'est que je ne sais pas. C'est pour ça que je vais faire un électromyogramme. En fait, si tu veux, Naï, depuis plus de 3 semaines maintenant, j'ai des grosses douleurs dans tout l'avant-bras gauche, du coude jusqu'au doigt, jusqu'au bout des doigts même. La douleur, elle se déplace un petit peu, mais en général, c'est là où j'ai mal. Et j'ai déjà fait une radio, j'ai déjà fait une échographie, j'ai déjà fait une IRM. La seule chose qui est ressortie pour l'instant dans l'IRM, c'est que j'ai un peu d'arthrose au niveau du haut du dos, apparemment, au niveau des cervicales. Mais apparemment, ça ne justifie pas. Alors, ok, je suis un peu jeune pour l'arthrose, pour le coup. Mais en même temps, ça fait 10 ans que je leur dis que j'ai mal au dos, et à chaque fois, on me dit « il n'y a rien ». Donc bon, bref, passons. Et bah là du coup ouais, je dois faire un électromyogramme. En fait là ils m'ont dit ça peut être soit un canal carpien, soit ça peut être une inflammation du tendon. Dans les deux cas ça fait mal. Et voilà. Attendez, je vais crafter un peu pour essayer de pas prendre trop de place. Sinon, discuter avec Pika quand tu as le temps. Ouais, bah, de toute façon, je te dis, hein, je vais faire mon examen vendredi, donc normalement, je saurai vendredi. Mais là, et justement, c'est pour ça que j'ai été revoir, enfin, que j'ai revu un médecin cet après, parce qu'en fait, j'en peux plus. Ça fait 3 semaines que je bosse avec ça. Donc, imagine. Alors, je pense qu'on t'aura pas de mal imaginé, mais dis-toi que j'ai mal constamment, tous les jours, depuis 3 semaines, dans l'avant-bras gauche. Et que mon travail consiste littéralement à taper au clavier toute la journée. Et quand tu tapes au clavier, bah, tu utilises les deux mains, tu vois. Du coup, ça fait 3 semaines que je travaille dans ces conditions, à la ramasse, en retard, etc. Parce que aucun médecin
on a trouvé que c'était intéressant de mettre un arrêt au moins pour me reposer un peu. Voilà. Mais moi, radio, il n'y a rien. Échographie, il n'y a rien. Échographie, il n'y a rien. IRM, je te dis, à part de l'arthrose, ils n'ont pas trouvé... Ils ont pas trouvé la cause du truc. En tout cas, ils n'ont pas vu de hernie discale. C'est pour ça que je dois faire un électromyogramme. Et j'ai eu de la chance d'avoir un rendez-vous vendredi parce que à la base, l'électromyogramme, quand j'ai regardé partout dans Paris, c'est pas avant fin septembre, voire octobre-novembre. Hein. Donc là, je pense que ça devait être un désistement de dernière minute. Enfin, pour elle non plus, elle a juste des disques usés. Ah non, moi, c'est pas les disques pour le coup. Enfin... Je te dis, dans à l'IRM, à part l'arthrose, ils ont rien vu, donc... qu'est-ce que... je vais ranger ça. J'ai plus de place. Donc, il faut que j'aille chercher des papillons. Ok, on va aller chercher des papillons. Faut que je me dépêche parce que après mon perso il va vouloir dormir là. Heureusement j'ai réparé mon balai. Ah là là, bon elle a pas passé son permis où il faut hein. Désolée. Je fais ce que je peux hein, c'est compliqué. Ah hop, on descend. Je vais dessiner. Bon, tant pis, je vais le capturer. Ok. Ils sont où les autres papillons? Non, c'est pas là. Ils sont où les autres papillons? J'avais cru en voir un autre. Ah, là, il y en a un. Attendez, je vais m'approcher discrètement. Voilà. Ok. Lui, c'est bon. Est-ce qu'il y en a de ce côté-là, à tout hasard? Ah oui, c'est vrai, il faut que je récupère une craie, là, pour réparer ce truc. Oh, là, il y en a plein. Oh, vas-y, il est parti. Bon, c'est pas grave, j'en ai eu d'autres. Je vais prendre les maples au passage. Et... J'ai de la place. Ah non! Faut que je rentre vite. Faut que je rentre vite. Sinon, perso, il va s'endormir en plein milieu de nulle part. En soi, ça fait rien, je crois, mais bon. C'est juste pas ouf, quoi. Vite! C'est bon. Dodo. Non, mais... Bref. Ah, là, elle fait un rêve. Le personnage, il a fait un rêve. Ellie, c'est l'heure de te lever. Peut-être que je suis une sorcière. C'est le matin, arrête de dormir, de parler en dormant. Je suis seulement une sorcière. Ah, mais elle a refait le même rêve. Quel genre de rêve horrible tu as encore fait? Odieux, pardon. Odieux. Ouais, un petit peu déjà vu, là. Alors.
Je sauvegarde, vite fait, au cas où. Et on a dit, il faut que je fasse Curse Détection Candy. Curse Détection Candy. Je n'ai pas la recette. Du coup, il faut que j'achète la recette. Elle n'a pas la recette. Ah bah elle aussi elle veut curse de lift. Ah non c'est curse lifting, ok. Mais attends, comment je peux faire curse détection candy si j'ai pas la recette? Je comprends pas. Mais d'accord que j'ai pas la recette. Bah oui. Et elle vend pas la recette. Du coup, c'est embêtant. Bon, je vais regarder pour faire le Irmeuf machin truc mûche là. Là, il n'y a rien à faire, ok. Ça, j'en craft. Ouch. C'est ça qui me manquait. Je me demande si justement, faut pas que j'avance dans l'histoire pour débloquer la recette. Alors, est-ce que je peux craft autre chose? Non. Bonbon de détection de malédiction. Non. Enfin, si. Si. C'est pour... En fait, tu le fais manger à quelqu'un, c'est pour voir si la personne elle a une malédiction ou pas. Tout simplement. Et là, je dois, on a dit, je dois craft... Ah voilà, Irmeuf, donc. Grenouille, Wetland, Blue Moon. Grenouille, Wetland. Ok. Donc, faut pas que je me rate. Feu à 1 et anti-clockwise. Feu à 1, anti-clockwise. Ok. Ça, ça et ça. J'ai pas, attendez. Oui, il faut mélanger, hein, c'est ça. Ok. Ok, c'est bon. Donc, et ça, je dois m'en servir pour passer le gros oiseau. Alors, Curse Lifting Candy et Curse Lifting Candy. Alors, Curse Lifting Candy, normalement, je dois pouvoir les faire. Squishy et Maple. Squishy et Maple. J'ai regardé pour la recette du bonbon de détection de malédiction. Ah. Qu'est-ce que... attends. Je dis Squishy et Maple. Qu'est-ce que t'as vu? J'ai rangé le Squishy. Où l'a trouvé? Ah. Bah je veux bien que tu me dises. Parce qu'en soi c'est pas du spoil vu que j'avais déjà fait cette partie là. C'est juste que je m'en souviens pas. Attends, elle veut combien de curse lifting? Un? Un curse lifting? Non, deux curse lifting, ok. Alors attends. Curse lifting, curse lifting, curse lifting. Trois et on mélange pas. Trois et on mélange pas. Non, 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 non. Diane, apparemment c'est Diane qui a la recette. Bah pourtant je l'ai pas trouvée. Dans 3 et 3 et on mélange pas. Bah je vais lui reparler, je vais voir. Ok, donc ça c'est bon. Mais je...
Mais ouais, c'est peut-être. Peut-être qu'il faut d'abord que j'améliore mon sac ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il faut d'abord que j'améliore quelque chose. Parce qu'elle me permet d'améliorer mes outils. Parce que là, dans le catalogue, elle a, pour l'instant, elle n'a plus rien proposé. J'ai copié le texte. Alors, c'est pas une réussite. Can be Diane. Shop after showing Arden's bag to Aura Head. Then talking to Diane. Ah, Arden's bag, c'est. Attends. Ah, ok, oui. Oui. Donc dans tous les cas, il faut que j'avance dans l'histoire en fait. Faut que j'avance dans l'histoire. Est-ce que j'ai assez pour améliorer? Attends. Sans Luna Coin. 16 branches. 8 cailloux. 8. Ok, j'ai pas assez. Soixante-dix Luna Coin, 12 branches et 6 pièces de cailloux. 12 branches. Ok, 12 branches. Je peux peut-être améliorer ça. Attendez, 12 branches. Oui, merci beaucoup, tu m'as aidé. 12 branches. Les branches, j'en ai. Les cailloux, j'en ai. La boue, j'en ai pas assez de toute façon, mais ok, je vais améliorer un truc. Ce sera fait. Façon, ça va me servir. Alors, améliorer. Extractor. Parfait. Bon, elle me propose pas de nouveaux trucs en tout cas. Mais c'est pas grave, j'ai amélioré le truc. Je vais ranger mon bordel. Et je vais aller. Je vais aller avancer la quête principale. Je vais passer là où il y a le piaf, là. Piaf de ses morts, là. Alors, si je fais ça, grab, drink. Voilà. C'est ça, ouais, casse-toi, ouais. J'ai raté le train à cause de cet oiseau. Pricky Vinecore. Ah, est-ce que je peux en profiter pour choper des mandragores? Je crois qu'il y en avait par là, justement, des mandragores. Oui, il y en a là. J'optimise ma potion. Vite, 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 vite. C'est bon, ok. Bon, j'en ai deux. C'est déjà ça de fait. Alors. J'optimise la potion. Alors, la racine, elle est. Techniquement, elle est là-haut. Ouais, elle va être au milieu, là. Ah, mais c'est vrai qu'elle est. Attendez, hein, moi, j'optimise ma balade, hein. Hop.
Ok. Ok. Essayer de quoi, de bloquer quelque chose. Ok. Ah, le nucléus, il est à l'intérieur. Du coup, il va falloir que je trouve moyen. Mais c'est ça, en fait. Heureusement, j'avais la potion, mais en gros, c'est ça. Je vais être obligée de crafter des potions pour recueillir des mandragores, hein. C'est la base. Ok. Du coup, je vais devoir trouver quelque chose pour ouvrir la porte. Ah, j'ai trouvé une craie. Il y avait quelque chose de similaire à la maison. Ah, l'endroit où on a sauvé le petit renard, ok. Faut que j'aille là où il y avait le petit renard. Très bien. D'abord. Avant d'aller là où il y avait le petit renard, je vais aller débloquer l'entrée qu'il y a de ce côté-là. Ah merde, c'est barré. C'est des araignées clochettes. Ok. Et vous avez... Ah bah là il y a une mandragore, mais bon je vais la laisser tranquille la mandragore parce que là j'ai plus mon casque. Enfin, j'ai plus ma popo anti-mandragore. Alors. Ok, il me reste une place. Là voilà. On débloque l'entrée. Du coup. Pouvoir aller là-bas, là. Je crois que c'est par là. Ouch. 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 Ah! C'est pas évident à contrôler, je vous assure. C'était ouf. C'était là, je crois. Ah non, c'est pas là du tout. What? Oh, il y a quoi là? Ah ok. J'ai trouvé une nouvelle zone. Alors l'histoire en fait, c'est donc c'est une petite sorcière qui vient de l'école de sorcières, hein, basique. Et elle était dans un train pour aller dans un village. Et le train s'est arrêté en milieu de voie parce qu'il y avait un problème, un truc qui bloquait. Ah oui, bah justement, il y avait l'oiseau de ses morts là qui bloquait le chemin. Il y avait l'oiseau de ses morts qui bloquait le chemin. Et c'est pas par là. Du coup, comme il bloquait le chemin pendant longtemps, la petite sorcière, elle a décidé de sortir du train et d'aller explorer un petit peu ce qu'il y avait autour pour s'occuper, hein, tout simplement. Et le problème, c'est que bah, le train est parti sans elle. Du coup, elle s'est retrouvée un petit peu au milieu de nulle part. Elle a trouvé la fameuse maison de sorcière où on est actuellement. Elle a fait « Oh, dis donc, il y avait une sorcière qui habitait là avant, c'est étrange. » Et en fait, elle décide d'explorer un petit peu plus. Vu que de toute façon, le train, il est parti sans elle et le train, il va pas revenir tout de suite. Et bah, du coup, elle a décidé d'explorer encore un peu plus. Et c'est ça l'histoire en fait. Et du coup, on découvre qu'il y a ces espèces de racines cheloues là qui envahissent le village, tout ça, tout ça. Et comme c'est une sorcière, bah, elle va faire des potions pour essayer de trouver une solution et d'enlever ses racines. Voilà. En gros, c'est ça l'histoire. Après, le jeu, il est en accès anticipé, donc il n'y a pas encore tout. Voilà, j'ai trouvé le chemin. Mais j'aime bien, il est sympa. Investigate. Yes.
C'est un puzzle. Ok. Qui a fait ce genre de puzzle? Cela ressemble étrangement à ceux qu'on a vus dans la forêt. Allons résoudre ce puzzle d'abord. Pour qui là, n'est-ce pas? Pour qui là, n'est-ce pas? Bien sûr. Ne demande pas deux fois. Ok. Donc... Ouais, et du coup, il faut un deuxième poids. Sauf que... Ah bah oui, du coup, on a récupéré celui de l'autre côté. Bon, ça va, celui-là, il est pas compliqué. Mais après, il va me falloir des potions, je crois. Oh, ça devient plus grand. Je sens quelque chose de pas... Oh, attends. Ouais, de pas correct ici. Regarde autour de toi. Ah, une craie rouge. Une craie rouge. Du coup, il va falloir que j'active le pont pour pouvoir y accéder. Ouais. J'avais pas vu que c'était attaché. Ah non, il me faut une potion. Il me faut une potion. Il me faut... ça. Et ça, normalement, je dois pouvoir en faire beaucoup. Donc, il m'en faut une. Est-ce qu'il en faut une de l'autre côté aussi? Il m'en faut une et il me faut... Ah, attends. Il me faut une ça et une ça. Ok. Je vais essayer de pas me perdre cette fois. Ouch, ouch, ouch. Ça cogne partout. C'est que le balai, il est pas facile à contrôler, hein, pour ma défense. Il dérape beaucoup. Donc. Par contre, ce qui m'embête, c'est que du coup, je vais pas pouvoir rendre les potions. Alors, on a dit. Ah, je suis coincée. Du coup, j'ai un nouvel ingrédient. Ingrédient. Il me faut ça et ça. Donc, squishy wheat flour. Squishy. C'est pas ça. Squishy wheat flour. Wheat flour. Ok. Donc, 4 et on mélange pas. 4 et on mélange pas. Après, c'est encore une étudiante, hein. Et ensuite... Silver Star Bell Maple Bush. Silver Maple Bush. Ah, j'ai pas de place, ça me saoule. Je vais enlever un peu de trucs à bouffer, là. Comment je peux faire? Ah, attends. Déjà, ça me fait une place. Ensuite, je vais prendre ça et je vais les bouffer. Voilà. Ensuite, je vais prendre ça et je vais les bouffer. Ça fera deux emplacements en plus. Ok. Alors. On a dit... Silver Maple Bush. Bush. J'ai pas de Silver Maple. Attends, c'est comment Silver?
Silver Star Bell. Mais si j'en ai, attends. J'en ai plus. Bon, de toute façon, c'est la nuit. Ok. Donc, je vais pouvoir aller en récupérer. C'est pas un problème. C'est assez simple à récupérer. C'est assez simple à récupérer. Et il faudra que je vois si j'ai assez d'argent avec Auréa pour agrandir mon inventaire. Parce que c'est la PLS. Inventaire ou entrepôt ? Inventaire ou entrepôt ? Je pense pas que ça fasse les deux en plus, donc... Eh bien, 10 silver, maple bush. Maple bush... Et il me manque du coup silver. Faut que j'aille chercher du coup du silver. Silver, c'est juste dehors la maison. C'est les espèces de... C'est ça, là. Voilà. Donc, il y en a plein partout. Voilà. Mais... Ah, il va falloir que je répare mon balai aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres par contre? Normalement, il y en a d'autres. J'ai encore un petit peu de temps. Ah, bah, c'est ça. Vous en pensez quoi du jeu sinon? Ça va? Bon, c'est très chill, hein. Mais. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense à qui tu. Je pense que tu dois aimer, toi, non? C'est pas le genre de petit jeu aussi que t'aimes bien? Je crois que j'avais déjà stream en plus. Ça pourrait, si. C'est ultra chill. Hein. En fait, ce qui est bien, du coup, c'est qu'au niveau de la récolte, il y a des trucs à récupérer vraiment, que ce soit la journée ou la nuit. Et suivant, justement, si c'est la journée ou la nuit, il y a des trucs que tu peux pas récolter. J'aime bien. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, là, quand on était dans l'espèce de tunnel dans la forêt, machin. Là. Il y avait des oiseaux dans les arbres. Bah, ces oiseaux-là, c'est pareil, je crois qu'ils sortent. Je crois qu'ils sortent que la nuit. Et il y a des trucs à récupérer dessus aussi. Tout ça, tout ça. Alors. Bah, je crois que j'ai fait le tour. Ah non, il y en a une là. Bon, je pense que je dois en avoir assez pour l'instant. Ouais, je pense que j'en ai assez. De toute façon, il me fallait juste un et un. Mais c'est qu'il est déjà 23h. Ça passe vite. Ah, j'avais pas vu. Je peux en faire plusieurs d'affilée, en fait. J'avais pas du tout vu l'option. Trop bien. Ok. Bah, pourquoi je le fais pas, du coup? Je suis un peu bête, non? J'ai l'impression que ça fonctionne pas. Hein. Par contre. Je l'ai activé, mais ça veut pas. Ok. Du coup, il faut que je fasse... Silver Maple Bush 3 et vers la droite. Silver Maple Bush 3 et vers la droite. Ok. Ensuite, Curse Detection. Bah oui, mais non, je peux toujours pas faire. Oh, j'ai pas rendu le truc à Diane, je crois. Attends. Ah, mais elle est partie de toute façon.
Elle est plus là. Ouais, elle est plus là. Bon, bah tant pis. Tant pis. Encore un petit rêve. Alors, j'ai ce qu'il faut. Je vais aller ranger des trucs quand même. Sinon, ça va encore être compliqué. Ah, mais j'ai plus de place encore. C'est chiant. Attends, est-ce que ça, je peux déjà faire quelque chose avec? Ah non, il en faut 4. Bon, tant pis. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs pareils que je peux dégager encore? En vrai, ça, je peux en récupérer au fur et à mesure. Ça, je peux pas craft. Ça, je peux pas. Ça, je sais pas ce que c'est. Voilà. Bah, je vais réparer mon balai vu qu'il est cassé. Voilà. Ça c'est fait. Il me reste quand même du bois donc. Ranger ça. Ça je vais m'en servir. Ça je vais m'en servir. Ça c'est quoi? Ça c'est pareil, c'est pour récupérer. Bah à la limite, vu que ça, je vais probablement en récupérer sur le passage. Enfin, sur la route, je veux dire. Je vais le garder sur moi. Donc ça je range. J'ai que 2 places, c'est chiant. Ça, je vais le prendre sur moi parce que je vais peut-être en récupérer aussi. Okay. Une traduette de prévu. Aucune idée. Aucune idée. C'est vrai que ce serait bien. Je sais pas du tout. Attends, je vais regarder sur la page du magasin. Je sais pas si ça va être indiqué sur la page du magasin pour le coup. Pour l'instant, il y a japonais, anglais, coréen, chinois simplifié, chinois traditionnel. Mais vu qu'il est encore en accès anticipé, je sais pas si c'est prévu pour plus tard. Je sais pas du tout. Je sais pas où je peux voir l'info en fait. Developers blog, blabla, blabla. Ouais, non, je sais pas. En tout cas, voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'information directe. Ok, alors. Après, en vrai, l'anglais qu'il y a dedans, il n'est pas super compliqué, mais ouais, ce serait quand même bien, effectivement, qu'il y ait une traduction en français aussi. Peut-être une fan trad, peut-être qu'il y aura une fan trad, genre un mode Amet ou quelque chose, je sais pas. Curse Lifting Candy. Ok, alors. On va aller faire le petit truc là, récupérer la craie. C'était là-haut. Hein. Poussez-vous, je passe, poussez-vous. Voilà. Ouais, mais c'est pour quelqu'un qui connaît de l'anglais. Non, mais je veux dire, c'est vraiment des mots basiques. Je veux dire, à partir du moment où t'as fait anglais au collège, en soi, normalement... ce que je veux dire, c'est que tu peux plus ou moins comprendre ce qui se passe. Pour ça. Et en soi, t'as pas forcément besoin de comprendre ce qui est dit pour faire le jeu, puisque, tu vois, regarde. Là, t'as les quêtes et il te dit, donc... Et c'est des trucs assez simples, c'est des petites phrases, quoi. C'est pas... Ok, alors, attendez, on a dit là... Il faut que je prenne
Nutrition. Voilà. Ah, il faut que je récupère le... Oh, j'espère que ça va pas disparaître ou quoi. Mais... Je vais y arriver. Crabe. Voilà. Ok. Ça c'est bon. Vite, 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 vite. Voilà. Ok. Parfait. Alors la personne connaît pas les couleurs en anglais, du coup soit le jeu est en FR, soit je peux pas lui prendre. Oh. C'est pas d'effort. Je plaisante, pardon. Je plaisante. Ah! On a enlevé le truc. Mais alors du coup, avant d'y retourner, vu que j'ai rangé la potion... Est-ce que quelque chose est arrivé? Je ne suis pas sûre. Ok. Allons à l'endroit où la porte est fermée. Où la porte était, plutôt. Je vais aller... Je vais retourner à la maison. Je vais aller à la maison, je vais retourner chercher la potion que j'avais rangée. Parce que comme je n'ai pas de place, bah forcément, je l'ai laissée. Ah! À l'aide! Voilà, voilà. Hop, ça c'est bon. Du coup... Ah non, il faut que je prenne... ça. Et... parce que ça, du coup, ça va être pour enlever... ça va être pour enlever la racine. Ce serait bête d'aller là-bas de... et puis de me rendre compte que j'ai oublié le plus important. Et d'ailleurs, on avait ouvert le passage, je crois, de ce côté. Je crois que c'est là. Hein. Non, c'est pas là. C'est encore un peu en dessous, je crois. Voilà. Là. Ah, mais arrête de te cogner partout! Ok, je vais en profiter pour ramasser de la boue, ça me permettra d'améliorer un peu mes outils. Faut quand même que je garde de la place parce que... Ok, c'est ouvert. Let's go. Oh, portail s'est ouvert. Je le savais. Bon, maintenant, prions pour qu'il n'y ait pas... Prions pour qu'il y ait le cœur de la racine, c'est ça, hein. En gros, on va dire ça. Ou quelque chose d'amusant. Je pense qu'à s'amuser, elle. Ah bah voilà. Je l'ai trouvé. Mais c'est recouvert par quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Une cage à oiseaux. Une cage à oiseaux. Sert à enfermer quelque chose. Mais on dirait que c'est en train de protéger la racine. Et si j'utilisais la potion sans utiliser la cage? Ce n'est pas une cage normale, nous devons l'enlever.
Regarde, le motif sur le sol est de la même couleur que la craie que j'ai trouvée plus tôt. Ok. Les drose pattern. Yes. Drose pattern pelise. Quoi? Allez, voilà. Parfait. Et maintenant, on utilise la super popo. Ok, maintenant qu'on a enlevé la cage qui protège le cœur. Prêt. Let's go. Paf. Lancement de popo. Attention les yeux. J'espère que vous n'étiez pas dans une pièce toute noire. Enfin, dans le noir, quoi. On a retiré les racines. Ça a fonctionné. Bien. Ça a probablement enlevé les racines du village aussi. Maintenant, je peux ramener Killa au village. Dépêchons-nous d'aller au village. Alors... Ah, vous voyez les oiseaux, là? Je crois qu'ils viennent que la nuit aussi. Bon, c'est bien, ça m'a fait de la place. J'optimise mes déplacements, hein, je récolte aussi. Voilà. Le seul truc que je peux pas ramasser, du coup, c'est mon dragon. D'ailleurs, j'ai pas de pelle, hein. C'est dommage. Je crois que la bouche, je suis censée pouvoir la ramasser avec la pelle. Mais bon, tant pis. En plus, voilà, oh j'arrive pas à parler. Ah là, il me faudra une potion aussi. Il va falloir une potion pour enlever ça et récupérer la craie. Et d'ailleurs, faut pas que j'oublie que j'ai des potions à faire pour Diane. C'est Diane ou Diana? Diane. Pour l'argent! Il y a plein de mandragores là. Je les vois, hein. Ok. Ça, je vais pouvoir aussi améliorer mes outils. C'est un peu calme, ça manque de musique. Hein. C'est dommage, il y a une petite musique sympa, mais... Bah là, il n'y en a pas. Ok. Je maîtrise presque. Hop. Ah bah il y a de la boue ici aussi. Parfait. Ils sont marrants les petits bestiaux là. Je crois que dans le bouquin, il les dessine comment? Ah voilà. Blue Bubble Lizard. C'est des lézards. Des lézards bleus. Tu diras à ta maman que c'est du bleu. Blue, c'est bleu. Ça se ressemble, ça va, c'est pas dur à revenir quand même. Rouge, c'est red, ça commence par la même lettre. Non? Ça fonctionne pas. Hop. Alors, on va aller au village. Peut-être aller déposer un peu les affaires avant. Mais de toute façon, non, je crois que j'ai pas de place. Donc ça sert à rien. Ah, j'ai cogné. Hop, ok. Ah. Alors, est-ce que, à tout hasard, je peux agrandir mon sac? 180. Yes!
Elle veut quoi? Cause Candy. Ah, je vais d'abord regarder si je peux les craft ou pas. Oui. Donc je vais prendre. Oh, puis en plus ça donne masse d'argent. Pas trop que je traîne par contre. Parce que en vrai je voudrais bien m'y rendre mais j'ai pas beaucoup de temps. On a enlevé les racines. Oui, j'ai vu. Tu l'as vraiment fait. Remercie Enid et les autres de m'avoir dit. De m'avoir parlé des racines. Mais tu es la personne qui a fait ça, bravo. Ok. Maintenant, allons appeler les gens pour qu'ils reviennent au village. Elle a déjà écrit la lettre, ok. Mais le postier ne vient plus. Peddler, je sais pas ce que c'est Peddler. Je vais lui donner la lettre. Tu vas le faire, merci. Gas, what you want? Bref, voilà, ok. Je vais essayer de tracer, faire le bonbon. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Vite. Vite. On a dit. Cause Candy. Dried Pumpkin Smile Bubble. Dried Pumpkin Smile Bubble. Dried et Smile Bubble. Et ensuite, ils disent. Deux. Clockwise. C'est livraison express. Ok, est-ce que... Curse Lifting Candy. Est-ce que je peux faire aussi les Curse Lifting Candy? Squishy Maple. Squishy Maple. Squishy... Maple. Oui, je peux les faire. Parfait. J'ai le temps. Squishy Maple, donc 3 et on mélange pas. Squishy Maple, 3, on mélange pas. Squishy Maple, 3, on mélange pas. Ok. Ça, on donne ça à Diane et ensuite on trace... Vers Eurea. Je crois que c'est Eurea. Hein. Hop, ça c'est fait. Ok. Vite. Aïe. Oui, j'arrive. J'arrive, j'ai bientôt fini. Ah oui, là, on lui donne la lettre, ok. Ok. Hop, on lui donne ça. Parfait. Ok. Elle a rien de nouveau dans la boutique, non. Et du coup, si je veux... J'ai combien? Ouais, non, j'ai pas assez. Ok, c'est bon. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est comme il est tard et que je commence vraiment à avoir mal et que Rina elle a faim et qu'il faut que je lui donne à manger et tout ça. Je pense que je vais arrêter là. Je vais rentrer à la maison d'abord. Mais je vais arrêter le stream là pour ce soir. Et je vais me poser. Ah non, mon balai, il a plus de carburant encore. Il est à sec.
Je vais ramasser des bronzes comme je vais pouvoir le réparer. Voilà. À pâte. Ok, je sauvegarde. Je remets la musique que j'aime beaucoup, que vous entendez tout le temps parce que bah elle est bien. C'était un petit stream chill ce soir, mais c'était sympa en vrai. Bon, c'était pas ce que j'avais prévu, hein, là-bas je voulais continuer Palia, mais bon, il est en bêta, hein, c'est comme ça, ça arrive. J'espère que vous pourrez avoir des clés d'ailleurs, ceux qui n'en ont pas eu encore. D'ailleurs, pour information, si jamais il y a quelqu'un qui prévoit de créer un compte, il manque une personne qui utilise mon lien de parrainage pour que je puisse avoir la dernière récompense. Si jamais... Attendez, je vais le mettre dans le chat. Il est aussi sur le Discord. Mais en gros, il faut juste une cinquième personne et j'aurai la dernière récompense. Donc si vous voulez créer votre compte Palia ou si quelqu'un est intéressé, sachant que quand vous créez votre compte, du coup, si jamais ils envoient d'autres clés pour la bêta fermée, à partir du moment où vous avez créé votre compte, vous pouvez être éligible. Donc vous pouvez recevoir une clé. Donc voilà, il manque une personne avec mon lien à moi. Et une fois que j'aurai les 5, bah du coup, vous pourrez utiliser le lien de quelqu'un d'autre ou juste partager votre lien aussi pour avoir la récompense aussi, tout ça, tout ça. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup d'être passé. Ça m'a fait du bien, le stream chill. Surtout que j'étais pas forcément en forme. On se retrouve mercredi soir, en espérant que ça va mieux. Je vais voir demain pour aller faire mon attel. Si ça peut déjà au moins m'aider peut-être à avoir un peu moins mal quand je dors. Ce serait cool. Reposez-vous bien. Hydratez-vous bien. Cette fois, je vais essayer de ne pas me faire avoir. Je vais aller check si je peux vous rester quelque part. Par exemple, chez Sky. Je ne sais pas s'il stream ce soir. Ah, c'est bon, c'est reconnecté, ça dit. Allô ? Allô ? Ah, allô ? Allô, Sadako ? Est-ce que tu es là ? Ah oui, ok. Bah, c'est OBS, je sais pas, il a planté. Du coup, oui, je disais, il y a un papy qui est en train de jouer à Ratchet et Clank. Du coup, je vais vous raid chez lui. Il a l'air sympa, le jeu, en plus. Il a l'air marrant. Du coup, voilà. Je vous raid chez lui. Bah, ne partez pas et allez lui faire coucou et tout ça, tout ça. Et moi, je vous souhaite bonne nuit à mercredi ou à demain sur Discord, tout ça, tout ça. Bonne nuit à tous, au revoir.